Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous parle du jeu Super Cyborg que j'ai testé sur Nintendo Switch, mais qui est également disponible sur Xbox, sur PlayStation depuis avril 2022 et sur PC depuis quelques années. C'est un jeu édité par Dragus Games et ici on est carrément devant un clone de Contra, le jeu Run and Gun qu'on avait sur la NES, la Nintendo originale. Donc ici un jeu qui, comme c'est souvent le cas en fait dans ce genre de production, avec un scénario très peu développé et qui est en fait juste un prétexte pour tuer des méchants. Et ici, on incarne un combattant cyborg d'élite envoyé sur une île mystérieuse pour étudier une série d'anomalies puisque des scientifiques ont accidentellement réveillé un puissant extraterrestre qui met en danger l'humanité tout entière. Avant de débuter le premier niveau, on peut choisir notre difficulté entre facile ou normal. Le mode difficile peut être débloqué un peu plus tard. On peut également personnaliser notre cyborg via des couleurs et son arme. Et il est aussi possible de jouer à deux en fait à ce jeu-là, en coop, en connectant en fait une autre manette à la console. Super Cyborg est un jeu assez difficile, hein? Il faut être en fait à l'aise avec ce genre de jeu. Les ennemis arrivent de partout, peuvent nous surprendre en arrivant par l'arrière, par exemple. Il faut regarder partout, bien maîtriser aussi les tirs. On peut tirer dans 8 directions différentes, incluant le bas en sautant ou lorsqu'on est couché au sol aussi. De plus, si on maintient la gâchette R, on s'immobilise et on peut tirer dans toutes les directions. Et comme je l'ai dit, si vous avez joué au premier Contra, les contrôles sont quasiment identiques. Même les petits engins qui volent au-dessus de nous, qui nous permettent d'avoir des bonus comme une brève période d'invisibilité ou de nouvelles armes, quand on va les détruire, mais sont présents dans le jeu. On peut également effectuer un super tir chargé pratique lors de certains passages. Le jeu demande quand même de bons réflexes, mais aussi une bonne connaissance des niveaux. C'est vraiment à force de les faire qu'on apprend les positions des ennemis. Le jeu possède 7 niveaux, ça peut paraître quand même assez peu, mais comme je viens de le dire, son niveau de difficulté à l'ancienne va demander vraiment de refaire les niveaux à plusieurs occasions afin d'en venir à bout, car même en mode facile, le challenge est quand même ici au rendez-vous. Une chance, à l'occasion, il y a des sauvegardes, ce qui n'avait pas, qu'est-ce qu'on n'avait pas justement à l'époque. Vu que la franchise originale de Contra est, on dirait, en dormance hein, ces temps-ci, Super Cyborg est une excellente alternative qui fait revivre la nostalgie de l'époque. Les graphismes en pixels sont vraiment magnifiques, sont colorés et avec son ambiance musicale réussie, je peux dire que la touche style rétro est bien présente. Donc, si vous aimez vraiment ce genre-là, le genre de jeu de Contra, ben vous ne serez pas déçu avec Super Cyborg. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que c'est le genre de jeu que vous aimez, les genres de run and gun à la Contra, comme à l'époque en fait. Si vous aimez ça, ben, si vous aimez pas ça justement, laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!